quelle heure? Il faut que j'y aille, je vais me faire tuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a mon père qui rentre tout à l'heure et j'ai laissé toute la maison en bordel. Que je te raccompagne? Je suis en bécane. Ouais, viens. Allô? Sam? Oui? Sam, c'est Dragon. Je voulais juste entendre ta voix. Ben, j'aurais pas dû appeler, excuse-moi. Tu fais quoi, là? Ben, je regarde. Il faudrait qu'on le rende. Où tu le gardes? Fais quoi? Tu vas bouffer la chatte, hein? Ok, réponds pas, Gaspard. Mais t'inquiète, tu crois que j'allais répondre? Eh, t'as sucé ou pas? T'as putain, sucé. Mais comment tu parles, Ludo? Arrête d'être vulgaire, là, comme ça. Quoi, ça va, putain, sucer, c'est pas vulgaire. Mais si, c'est vulgaire. Et putain aussi, c'est vulgaire. Mais c'est pas c'est bon, arrête. Mais je veux non, épargne-nous, ok? Est-ce non, arrête. Laisse tomber, je répondrai pas. Eh, mais quoi? Mais vous avez fait quoi? Vous êtes juste embrassé? Ah, t'es amoureux, c'est ça? Eh, Ludo? Ouais. Ferme ta gueule. C'est vrai? Bah ouais, c'est pour ça qu'ils ont pas baisé. Fin de la discussion, merci. Eh, t'as bien caché ton jeu, sale fourbe. Bon, allez, on va chez Momo, tu veux venir avec nous? Mais je peux pas, j'ai promis à mes parents de repeindre l'entrée. J'ai pas commencé encore. Tu repeins l'entrée? Eh, tu veux qu'on te donne un coup de main? Bah, mon cul, ouais, plutôt crevé. Eh, t'as qu'à demander à Marion. Gaspard! Ok, allez, Gaspard. Bon, on y va, nous. Gaspard! Allez, ciao. Gaspard, attends. À bientôt. Eh, oublie pas de raconter des petits détails dégueux. Salut, Ludo. À bientôt.
Raphaël, t'as répondu ? Non. T'as regardé ses vieux messages ? Non. Tu veux que je regarde ? Bah oui. Attends. Je te les lis. Insomnie, me sens bizarre, voudrais parler avec toi. Non, ça me fait pas peur. Avec toi, oui. Je crois que je t'aime. C'est tout ? Attends, je regarde le message qu'elle a envoyé. Je suis sur Black Hole, rejoins-moi. C'est quoi, Black Hole ? Je sais pas. Attends, il y en a un autre. Samedi, 18h, chapelle de Valbrune. On trouvera ce qu'il faut. On sera ensemble. C'est signé Sam. Il date de quand ? Aujourd'hui, 13h. Samedi, c'est demain. Je travaille pas. Tu veux y aller ? Non, je vais le suivre. T'es sûr ? Oui.
Là, je le suis. Il a pris plein de rouleaux de scotch. Des rouleaux de scotch? Oui. Pourquoi faire? Je sais pas. Attends, je le vois plus. Ça va? Elle les a perdus. Mm. Pas trop déçu? Non, on a fait une belle balade. C'est vrai. C'est Marion, c'est génial. Je t'aime. Faut pas le dire si c'est pas vrai. Sinon quoi? Ça porte malheur. Mais c'est vrai, je te jure. Je te mentirai pas. C'est la vérité.
ouvert. Il est mort. Il respire. Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va. Vous voulez redescendre avec nous ? Ah non, c'est gentil, je suis en scooter, il faut que je le ramène. Marion m'a dit que vos parents n'étaient pas là. Ouais, ils sont en Espagne avec ma petite sœur. Vous inquiétez pas pour moi, ça. On est un peu sous le choc, mais ça va aller. D'accord. Tiens. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Sam. Partir ensemble.
T'as pas trop les boules d'aller bosser pendant qu'on glande? Mais pas du tout. J'adore être enfermée dans une cahute pendant 8 heures à regarder défiler des voitures. Bah, ça doit être horrible. Non, ceci dit, on apprend des choses. Ah bon? T'apprends quoi? Qu'il y a des gens qui sont aimables et d'autres pas du tout. Waouh, la découverte de ouf. C'est deux espèces différentes. Les gens aimables, ils sont toujours attentifs, gentils. Et les chiens, ils sont toujours désagréables et cons. Moi, je fais partie des gens aimables. Non. Toi, tu fais partie de la troisième catégorie. Ceux qui te tripotent la main quand tu leur rends la monnaie. Y a des mecs qui font ça? Ouais. Il y en a même qui baissent leur froc avant d'arriver au péage pour te montrer leur queue. Mais non. Ah, ça va pas, moi je fais pas ça, oh. Ah si, t'es exactement comme ça. Franchement, je me dis des fois que t'as une bite à la place du cerveau. Et voilà, pile à l'heure. Ciao. Ciao. Ouais, elle est super, Marion. Bah, ça va. Ouais. Ah, c'est vrai, elle est mignonne, elle est sympa. Elle est intelligente en plus. Grave. Grave intelligente. Non, moi je trouve que c'est une fille super. Ah, moi aussi, hein. J'espère qu'on va continuer à se voir tous les quatre. Comment ça, tous les quatre? Je sais pas, maintenant que Marion et toi vous êtes ensemble. Bah, ça change rien, ça. Comment on fait pour courir? Je cherche une fille. Tu tombes bien, c'est le quartier. Enfin, fantasme pas trop. Les deux tiers de filles que tu vas croiser ici sont des mecs. C'est con, il y en a qui sont mignonnes. C'est une fille que je connais. Ah, c'est quoi son pseudo? Je crois qu'elle s'appelle Sam. T'es pas sûr? Des Sam, il y en a 500. Elle t'a dit où elle allait? Les endroits qu'elle fréquente? Non. Tu sais rien, en fait. Hi. Vas-y, réponds. N'aie pas peur, vas-y. Hi, baby. What's your name? I'm Maggie. Hello, Maggie. I'm the Chinese. You're very beautiful. Thanks. Where are you from? Allez, réponds. I'm living in the south of France. Oh, French. I know a few French words. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Do you want to fuck with me? Elle propose de baiser avec elle. Ah, j'ai compris. Je réponds quoi? Bah, dis-lui oui, tu verras. Yes, I will. You have money? 500 units. C'est trop cher, elle est folle. Go fuck yourself. Oh yeah? Give me your money, you French asshole. T'as tué? Ouais, elle m'envoie au purgatoire. C'est une galère, ça va perpète, faut marcher des heures pour revenir. Je suis désolé, hein. T'inquiète, c'est la vie. Alors, ça te plaît? Salut. Salut. Tu veux faire quoi? Ce que tu veux. Tu veux venir chez moi, j'ai un truc à te montrer. Ouais, d'accord. On peut même passer une nuit ensemble, si tu veux. Non. Non. Mon père, il voudra pas. Pourquoi? Je le connais, il est flippé. Et... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit qu'il fallait que je rentre. Il m'énerve, il est complètement psychorigide. Parlez une minute. Qu'est-ce que tu lui veux? Juste lui parler. Alors sois gentil, laisse-toi.
suis un vieux con. Ah non, c'est pas ce qu'elle dit de vous. Peu importe. J'ai droit à l'essentiel. Elle m'a demandé pour dormir chez toi cette nuit, je lui ai dit non. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Deux. Tu trouves que c'est une bonne idée qu'elle passe la nuit chez toi? Je sais pas, oui. Tu es son père, Gaspard. Et le rôle d'un père, c'est de protéger sa fille, n'est-ce pas? Faut être raisonnable. Mais on est très raisonnable, vous savez. Tant mieux. Faut pas vous inquiéter, vous savez, on n'est plus des gamins, on fait attention. Attention. Oui. Attention à quoi? Bah, à tout. Tu penses qu'elle est en danger? Non. Ah, tu veux dire à la contraception? C'est pas qu'une histoire de contraception, Gaspard. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais Marion est plus fragile qu'elle en a l'air. Elle est très attachée à toi. Et toi? T'es attaché à elle? Oui, bien sûr. Je n'ai rien contre toi, Gaspard. Tu es certainement un jeune homme très sympathique. Mais je sais ce que c'est, j'ai eu ton âge. Et je ne veux pas que Marion souffre. Tu comprends? Je crois, oui. Alors réfléchis-y. Ça vous dérange pas si je fais une petite pause, les gars? Pourquoi faire? Je dois récupérer quelque chose. Quelque chose? Vous m'accompagnez? Bon, merci Yann, ça m'étonne pas de toi. Gaspard? Ah, vous êtes naze. Vous allez quand même pas me laisser y aller tout seul quand même, oh. Bon, allez, on y va. Et ben voilà. Là, je me dis ça, c'est des amis. Salut, ça va? Bien, toi. Tu m'as dit que je pouvais passer. Ah. Tu veux bien? Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Non. Ah.
Qu'est-ce qu'il faut, je te vois plus. Ah, j'ai pas trop les moyens en ce moment. Je peux m'asseoir? Les toilettes. Dans le couloir deuxième à droite. Pardon. Non, c'est rien, j'aurais dû fermer la porte. Reste, tu me déranges pas. Comment tu t'appelles ? Gaspard. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es un copain de Vincent ? Vincent, non, je suis venu avec un ami qui voulait voir Samos. Samos, c'est un con. Tous les copains de Vincent sont des cons. Je te connais. Comment ça, tu me connais? Tu me connais d'où? C'est moi qui t'ai trouvé à la carrière. Viens. Tu veux écouter la plus belle chanson du monde? Les autres vont peut-être se demander où je suis passée. Tu t'en fous des autres. Ferme les yeux. Faut écouter les yeux fermés. Tatouage. C'est ce que tu regardais dans la salle de bain, non? Oui. Tu veux le voir? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire?
Le paradis? Ouais. Tu peux le toucher si tu veux. T'as vu, ça fait un petit relief. Ouais. T'es capable de garder un secret? Oui. Qu'est-ce que tu fous là? Je crois que t'étais parti pisser. Tu pourrais frapper, connard. Qu'est-ce qui se passe, André? Rien, on écoute de la musique, c'est interdit. Tu me parles sur un autre ton. C'est qui, lui? Personne. Personne. Viens, je vais te dire un truc. C'est ma sœur. Elle va pas très bien en ce moment. Elle sort de l'hôpital. Tu comprends? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Rien. On discutait. Allez, va-t'en. T'as compris, tu dégages. Non, c'est bon, il part tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Non, mais qu'est-ce que tu faisais avec elle? Mais rien, je te dis, on écoutait de la musique. Ah, c'est sympa, ça. C'est la fille qui a essayé de se suicider à la carrière. Ah bon? Tu nous avais pas dit qu'elle était belle. Son numéro ou... Enfin, réponds, elle t'a filé son numéro ou pas? Ah, je m'en fous, je demanderai à Samos. Okay, now you can choose your name. Hello, Gordon. You can now choose your voice. Je m'appelle Gordon. Je m'appelle Gordon. Je m'appelle Gordon. Je m'appelle Gordon. Okay, Gordon. If you wish, you can now start to explore Black Hole. Merci, ça va. Tu veux travailler pour moi? Je filerai des fringues. Il fait froid ici. Avec moi, tu peux te faire du fric. Beaucoup de fric. Non, merci, j'ai pas besoin d'argent. Bien sûr que t'as besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Tu peux pas rester à poil comme ça. Vous connaissez Sam? C'est une fille. Sam? Non, je connais pas de Sam. Mais si tu veux voir du monde, travaille pour moi.
T'as qu'à vendre ces bestioles. Oh, how lovely. Look, darling. Combien? Les simples, 50 unités. Ceux qui chantent, 150. Shall we buy one, honey? Oh, yes, please. On en prend un. Oh my God, he's so cute. I love it. Thank you, my love. You're welcome, honey. Merci. Excuse-moi, tu es Sam? Me? Non, non, je ne suis pas Sam. Ah pardon, c'est à cause de ton tatouage, Heaven. Oh, c'est un tatouage d'esclave, chérie. Ton ami Sam est peut-être aussi une esclave du Heaven? Une esclave du Heaven? Qu'est-ce que c'est? Vraiment? Tu ne connais pas encore le Heaven, chérie? Look. Je cherche quelqu'un. Vous êtes membre? Non, je suis un ami de Sam. Merci. T'es où là? C'est quoi ces cris? Ah, tu verras, amène tes fesses, tu vas flipper! T'as une drôle de voix, t'es bourré? Ouais. Il est avec toi, Yann? Ouais. Ah, y'a Audrey aussi. Audrey est là? Laisse tomber, c'est des malades! Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent des défis. Toi, tu veux essayer? Non, j'y tiens pas. Bon ben, Samos a gagné alors. Quoi? Il y a de la triche là. Qui te traite de tricheur? Eh mais je l'ai fait que deux fois, moi j'ai encore droit à un essai. Bon, que dit l'arbitre? Il a encore droit à un essai. Ah, tu vois, je te préviens, je bougerai pas, c'est toi qui vas être obligé de tourner le volant. Tu veux te faire écraser? C'est ça, ouais. C'est bon, Ludo, arrête, t'es bourré, là. Ouais, il a raison, vaut mieux qu'on arrête. Mais non, on n'arrête pas! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas les couilles? Qu'est-ce que tu risques, toi, dans ta voiture? Bah, c'est bon, Ludo, arrête. Eh, hey, t'en mets pas, Yann, c'est mes affaires, ok? Eh, hey, va là-bas, toi, tu vas voir. Je te fais m'écraser, tu tourneras le volant. Qui dit que j'ai pas envie de t'écraser? Ouais, cherche pas à m'impressionner, ça marche pas avec moi. Ok, on y va. Je vais t'écraser comme un hamster. Arrêtez, c'est complètement con. Monte. Quoi? Monte, je vais te dire un truc.
Tu voudrais te remercier de l'avoir trouvé dans la carrière. Tu peux lui dire merci. C'est grâce à lui que t'es toujours là. Dis-lui merci. Non mais c'est bon, c'est pas la peine. Si, c'est la peine. Sans toi, elle serait morte. Allez, Audrey. Dis-lui merci. Merci. Non, putain, mieux que ça. Il t'a sauvé la vie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Voilà. C'est mieux. Maintenant, embrasse-le. L'autre soir, Audrey avait installé une caméra dans la voiture. Une petite caméra DV. Tu l'aurais pas trouvée par hasard? Non. T'es sûr? Ouais, sûr. Et ta copine, tu crois qu'elle aurait pu la prendre? Marion? Non, elle l'a pas prise, elle me l'aurait dit, je pense. Ouais. Tu dois voir. Il t'avait dit qu'il sauterait pas? Mais il a sauté. Connard! Quoi? T'es un connard! Bon allez, on s'en va! La fête est finie! Please, sir. Yes? Can I see your member card? What? I need to see your card, please. What's wrong? You're from the club? Yes. No, you're not. Let him hold you tight.
you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Put your hands up. Attends, tire pas. Tu es Sam, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux te féliciter, c'est tout. Tu es membre depuis quand? Je t'ai jamais vu ici. Je suis pas membre. Comment t'es entré alors? J'ai volé sa carte à un client. Je crois que je l'ai tué. Assieds-toi. Comment tu me connais? C'est Dragon qui m'a parlé de toi. Tu connais Dragon? Je lui ai vendu un animal de compagnie, on a sympathisé. C'est ce que tu fais? Vendre des animaux de compagnie? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi, Dragon? Pas grand-chose. Que tu chantais bien. C'est tout. Il m'a dit qu'il voulait mourir avec toi. Il t'a dit ça? Oui. On devait se revoir, mais il a disparu. Il est mort. Tu t'appelles comment? Gordon. Enchanté, Gordon. Je dois me changer. On m'attend. Allô? Allô? Gaspard? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus me voir? Pourquoi il est quelle heure là? Il est 5h30. Ah, je suis désolé, tu veux que je vienne te chercher au péage? Non, non, c'est bon, là, je suis dans le bus. Tu peux venir chez toi? Ouais, ouais, bien sûr. Je serai là ce soir, tu voudras venir? Oui. Gaspard? Oui. Tu m'écoutes? Ouais, ouais, je t'écoute. Viens à minuit. Le type que tu as tué va certainement bloquer sa carte. Il vaut mieux que tu utilises la sortie de secours, le mot de passe c'est Butterfly. Je te rejoins alors. Papillon. Pardon? Oui, rejoins-moi. Je t'embrasse. Gordon. La sortie de secours, à minuit, Butterfly. Et trouve-toi une tenue plus élégante. J'ai une réputation à tenir. Yann et Ludo, t'aides pas? Ah non, pas aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Oui, c'est moi. Non, je suis chez Ingrid. Elle m'a proposé de rester dormir chez elle. Ne me fais pas confiance. Je te passe sa mère si tu veux.
donc et demain à midi. T'es sûr que tu veux pas que je te passe sa mère? Ok, à demain. Butterfly. C'est très beau. Je voudrais t'emmener quelque part. Tu connais la plage noire ? Non. C'est l'endroit où on va quand on meurt ici. Purgatoire ? Oui. Tu y es déjà allé ? Je croyais que les gens avaient plutôt tendance à l'éviter. Moi, c'est mon endroit préféré. Tu veux qu'on y aille ensemble ? Il faut mourir alors. Oui. Suis-moi.
On est mieux ici. J'aimerais disparaître et rester ici pour toujours. Dragon aussi aimait cet endroit. Lui aussi voulait disparaître. On avait décidé de le faire ensemble. J'aurais dû mourir avec lui, mais deux jeunes nous ont trouvés, et je suis toujours là. Tu leur en veux ? À qui ? Aux jeunes qui t'ont trouvé. Oui. On leur avait rien demandé. J'ai revu le garçon il n'y a pas longtemps. Il me tourne autour. Je crois qu'il est amoureux de moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je vois bien la façon dont il me regarde. Il te plaît ? Non. Il est naïf. La prochaine fois, je me raterai pas. Tu veux recommencer ? Oui. Gordon ? Oui. Demande-moi de faire quelque chose pour toi. Comment ça ? Mets-moi à l'épreuve. Dis-moi de faire ce que tu veux dans l'autre monde et je le ferai. Dans l'autre monde ? Oui. Le premier truc qui te passe par la tête. Je le ferai. Pour toi. Embrasse le garçon naïf. Quoi ? Celui qui t'a sauvé, embrasse-le et couche avec lui. Que je couche avec lui ? Oui. Ça t'excite ? Oui. D'accord, je vais le faire. Je te raconterai. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? Tu veux que je fasse quelque chose ? Tu as une petite amie ? Une fiancée ? Non. Je suis marié. Et tu l'aimes. Pourquoi tu veux savoir ça ? Tu devines pas ? Non. J'aimerais que tu lui fasses du mal. Ça te choque. Mais tu le feras. Pour moi. Tu viens de baigner ? Ouais. Tu veux qu'on emmène ton petit frère à la piscine ? Ah ouais, ça lui ferait plaisir. En plus, il pose tout le temps des questions sur toi. Ah bon ? Ouais. C'est froid ! C'est froid. Salut. Bonjour. J'ai envie d'aller me baigner, tu viens avec moi ? Je suis pas tout seul en fait. Dommage. Tu connais la crique des pierres tombées ? Oui. Je vais là-bas en fait. Si tu changes d'avis, rejoins-moi. D'accord. C'était qui ? La voisine. Elle voulait quoi ? Parler à mes parents. Maria ! Marion ? Qu'est-ce que tu ferais si tu devais faire du mal à quelqu'un ? Comment ça ? Tu étais obligée. Qu'est-ce que tu ferais ? Je comprends pas. Si tu devais faire du mal à ton petit frère, par exemple, qu'est-ce que tu lui ferais ? Je ferais jamais de mal à mon petit frère, c'est quoi cette question ?
T'as jamais eu envie de faire du mal à quelqu'un que tu aimes? Non. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Non, je crois pas. C'est ça ton problème? Mon problème? Tu es naïve. Tu trouves que c'est naïf de pas vouloir faire souffrir quelqu'un? C'est marrant comme t'as toujours envie d'être du bon côté. Tu te crois pure et irréprochable, mais t'es juste naïve. Et ennuyeuse. Il va où, Gaspard? Aïe, tu serres trop fort. Pardon, excuse-moi. Ah, t'es venu finalement? Ouais. Tu te baignes pas? Non, pas maintenant. Marion vient pas? Elle doit garder son petit frère. Ah. Personne.
Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air en paix, tu trouves pas? Sors d'ici. T'as entendu? Sors d'ici. Alors? T'as couché avec elle? Pardon? Tu peux me le dire. Audrey m'a dit qu'elle en avait envie. Et c'était bien? Ça te regarde pas? Mais si, ça me regarde. Je veux pas que tu lui fasses du mal. Je vais pas lui faire de mal. Oui, non. C'est vrai, toi t'es le gentil. T'es le sauveur. Elle a besoin d'aide. Tu veux l'aider? À quoi? Il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'elle passait de plus en plus de temps devant son ordinateur. Elle allait sur des sites où elle parlait avec des détraqués qui voulaient se flinguer. Quand j'ai découvert ça, moi aussi, je me suis mis à leur parler. Une fois, j'étais en ligne avec un type. Et je lui ai dit qu'il avait raison. Que ça servait à rien qu'il s'accroche. Qu'il méritait pas de vivre, qu'il valait mieux qu'il meure. Je pensais qu'il allait me dire d'aller me faire foutre. Mais non. Il s'est mis à pleurer. Il m'a remercié. On a continué à parler. Et je lui ai dit d'aller jeter sous un train. À la sortie d'un tunnel près de chez lui. Je lui ai donné la date et l'heure. Tu l'as tué? Non. Il s'est tué tout seul. Tu n'imagines pas le nombre de types qui veulent mourir. La plupart n'arrivent pas à passer à l'acte, mais ils y pensent tout le temps. Et tu sais ce qu'ils cherchent? Quelqu'un qui les aide. Quelqu'un qui leur donne un coup de pouce pour les faire basculer de l'autre côté. C'est ça ce qu'ils cherchent. Un coup de pouce. Et c'est pas seulement des paumés ou des dépressifs. Il y a des gens qui ont l'air très bien dans leur peau. What's your name? Gordon. I'm Paul. Today is my birthday. You should wish me a happy birthday. Then happy birthday. Thank you. Sam! Sam, il faut que je te parle! Qu'est-ce qui se passe? Ton frère est venu chez moi. Mon frère? Oui, ton frère, Vincent. Comment tu connais Vincent? Parce que je suis Gaspard. Je suis bête. J'aurais dû m'en douter. Ton frère était à la carrière le jour où t'étais avec Dragon. Il était caché derrière les buissons, il vous regardait. Tu le savais? Oui. Dis-moi ce qui se passe. Je peux pas. Quoi, il te force?
C'est lui qui t'a demandé de mettre la caméra ? Non, c'est moi, c'était mon idée. Je voulais lui laisser un souvenir. Je te crois pas. Il m'a dit qu'il avait déjà poussé des gens au suicide. Ça l'excite de voir des gens mourir. Il faut que tu ailles voir la police, Audrey. Non, je peux pas. Si, il faut que tu le fasses. Non, je peux pas. Pourquoi ? Parce que... je suis son esclave. Qu'est-ce que tu racontes ? Sans lui, je suis perdue. Il tient tellement à moi. Non, Audrey, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de lui. Il te manipule, il est toxique, il te fait du mal. Si tu vas pas voir la police, c'est moi qui irai. C'est vrai, il est fou. C'est lui qui me rend folle. De toute façon, je vais arrêter tout ça. Je vais me foutre en l'air, une fois pour toutes. Non, attends, on va parler, on va se voir. Ça sert à rien. Si. Écoute-moi, j'ai envie de te voir, d'être en face de toi, en vrai. D'accord ? Audrey, dis-moi que tu es d'accord. Bon, tu peux venir en ville ? Pourquoi tu viens pas ici ? Chez toi ? Non, je veux pas tomber sur lui. Vincent ? Mais il est pas là. Il est où ? Il est à Nice, avec sa mousse et sa bande. Et s'il rentre ? Il rentrera pas, il va y passer la nuit. Tu as peur ? Je comprends, laisse tomber. Non, attends, je viens. Ouais. Je t'attends. Embrasse-moi, Gordon. Faut que tu te fasses belle. T'as trouvé quelqu'un ? Ouais. Comment il s'appelle ? Gordon. Gordon. Il te plaît ? Ouais. Salut. Salut. J'ai vu Marion. Elle est pas en forme. Elle se fait du souci pour toi. Elle m'a dit qu'elle te reconnaissait plus. T'es pas avec Ludo ? Non. Non, Ludo, il est en boucle sur ses exploits sexuels. La testostérone qui lui coule par les oreilles. Il fait chier, quoi. Qu'est-ce qui nous arrive, Gaspard ? On était bien tous les quatre, non ? Pourquoi ça se détraque ? Je sais pas. Tu devrais aller voir Marion. Non, c'est trop tard. Pourquoi ? Audrey a besoin de moi. Audrey, tu dis n'importe quoi, là ? Tu veux pas comprendre, Yann. Non, mais c'est toi qui comprends rien. Marion vaut mille fois cette fille. Faut que j'y aille. Rends-moi les clés du Dax.
Quoi, maintenant, là? Ouais, maintenant, là. Laisse-le. Prends-moi dans tes bras. Sens-moi fort. Plus fort. Plus fort. Audrey. Alors, le sauveur, tu voulais t'envoyer en l'air avec Audrey ? Mais qu'est-ce que tu fous ici ? T'es pas venu pour la sauver. C'est des conneries, ça. Tu sais pourquoi t'es là ? Tu veux que je te le dise ? T'es comme les autres. Tu veux mourir avec elle ? Non.
Lâche-toi. Ouvre la porte. Ouvre la porte. André! Descends. Non. Je veux plus. Viens. Non. Je vais aller sur la plage noire pour toujours. Dis pas de conneries, la plage noire n'existe pas. Viens. Si elle existe. Marion. Marion. Il faut que tu te lèves. C'est ton ami Gaspard, il a des problèmes. Je t'attends en bas. Tu vas où ? Bouge pas. Don't fall.
Marion, je mentais pas quand je t'ai dit que je t'aimais à la carrière. J'ai peut-être tout gâché, mais je mentais pas.